il faut que vous alliez ponctuellement en classe. Ah, quelle belle journée! Maintenant, il est 6h du matin et j'attendrai Madame Lent. En attendant, j'étudierai avec zèle pour devenir le meilleur élève dans la classe de français. Oh, madame, il y avait un raton laveur sur ma tête. Oh là là, pourquoi était-il sur ta tête? Il a grignoté mon oreille. C'est horrible. Pauvre de toi. Tu mérites un bon point pour tes souffrances. N'allez jamais aux toilettes pendant la classe. Madame, je dois aller aux toilettes. D'accord, mais tu as un permis pour la salle de bain? Non, je les ai tout dépensés. Il faut que tu sois plus comme Eduardo. Il ne va jamais au WC pendant la classe. Tu aurais dû y aller avant la classe. De plus, tu manquerais peut-être quelque chose d'important. Faites un compliment à Madame Lent chaque jour. Madame Lent, vous pourriez travailler comme mannequin professionnel. Madame Lent, vous êtes nettement mon prof préféré. Grâce à vous, j'adore le français. Madame Lent. Vous rendez tout le monde heureux avec ta gentillesse. Ah bon? Tu es trop agréable. 1000 bons points pour toi. Réussissez tous les contrôles. Il est nécessaire que vous étudiez beaucoup pour obtenir les meilleures notes possibles sur tous les contrôles. Écoutez, élèves, nous passerons en contrôle de vocabulaire aujourd'hui. Ah! Lolo, es-tu dans la lune? Il faut faire ce que Eduardo fait tout de suite. Regarde! Il a du travail par-dessus la tête et il n'a pas de temps pour être distrait. Lolo, tu aurais pu obtenir une meilleure note si tu avais étudié. Mais toi, Eduardo, tu es vraiment un élève excellent. Tu as maîtrisé la langue française. 1000 bons points pour toi, Eduardo, pour ton explication excellentiste de la conduite nécessaire pour devenir mon chouchou. Ici. Bonne foi. Si vous suivez toutes ces étapes, vous deviendriez absolument le chouchou de Madame Lent, comme moi. Control.
Once crow. Rayo si se tu le control.